Bonjour à tous et je vous souhaite en tout premier lieu une bonne année 2023. J'espère que le nouvel an s'est très bien passé pour vous. Je suis en train de voir là que dans mon miroir on voit mon linge qui est en train de pendre à la fenêtre. Bon, c'est pas grave, hein. Au moins vous voyez la vraie vie. Enfin voilà, en tout cas je suis super heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année en espérant que tout se passera bien pour vous. Moi j'ai commencé l'année pas très bien, je suis tombée malade dès le 1er janvier. Donc là ça commence à aller un petit peu mieux. Donc voilà, j'ai pas pu tourner de vidéo avant, j'étais fatiguée, je faisais que dormir, j'avais pas la forme du tout. Et voilà, donc là je reprends mes forces un tout petit peu, petit à petit, ça commence à aller mieux. Mais j'avais trop hâte de tourner cette vidéo car c'est des vêtements que j'ai reçus depuis le mois de décembre et que je n'ai toujours pas vraiment mis. Enfin si, je les ai mis, je les ai relavés, etc. exprès pour vous les montrer. Donc j'ai pas gardé les cartons. C'est comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un haul où j'ai acheté chez Ocean's Apart pour la première fois. J'ai voulu essayer. On voyait les publicités partout sur internet. Comme j'ai envie de me mettre au pilates et yoga, je me suis dit allez, je vais m'acheter des bonnes tenues de sport. Donc pourquoi pas essayer cette marque-là. Et puis voilà, j'ai fait un petit peu de Black Friday sur Mango aussi et Zara. Zara, et voilà, enfin un petit peu de tout. Donc voilà, j'avais hâte de vous montrer ça. Donc voilà, on commence tout de suite, c'est parti. Alors je sais même pas par quoi commencer parce que j'ai tout ça. Ça et ça. Enfin, on va voir. Je pense que je vais finir par les tenues de sport. Ça, je le ferai à la fin. Donc je vais commencer par Zara, parce que c'est ce que j'ai le moins, la marque où j'ai acheté le moins, donc je vais commencer tout de suite par Zara. Alors tout d'abord, c'est pas du tout pour sortir, hein, mais je me suis acheté un jogging rose Barbie comme ça, hyper doudou, à l'intérieur il est molletonné comme ça, enfin j'arrête pas de le mettre, je suis super bien dedans, il est trop bien. Je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que je suis tout le temps dedans. Formation, il avait en d'autres couleurs, hein. Il avait en noir, en lilas et en bleu ciel je pense. Donc voilà, je pense qu'ils le font encore en magasin et sur le site. Donc je pense que vous pouvez les retrouver. En tout cas, je vais essayer de retrouver toutes les adresses encore de mes articles et de les mettre en barre d'infos. Comme ça, voilà, vous aurez tout. Ensuite, avec la froidure qu'il y a fait dehors, je sais même pas si ce mot existe, la froidure. Enfin soit, au pire, j'invente encore des mots. Avec le froid qu'il y a fait dehors, c'était horrible. Moi, je suis une frileuse. Alors, même mes cols roulés que j'avais là de chez Zara depuis 3-4 ans, même si je mettais un débardeur en dessous, j'avais toujours froid. Et je me suis rendu compte que j'avais pas de maillot de corps, en fait, enfin de t-shirt longue manche. Simple, hein. Donc là, à Zara, je m'en suis pris deux. Un t-shirt manche longue noir et un t-shirt manche longue gris. Voilà, donc moi je m'en sers comme maillot de corps à mettre en dessous de mes pulls quand j'ai hyper froid. Mais après bien sûr, hein, je peux le porter comme ça, avec un shirt et puis un collant, et puis ça peut aussi bien le faire. Hein. Mais voilà, mais à la base moi je m'en sers pour des maillots de corps et en tout cas ils vont super bien. Ensuite, chez Zara, je me suis pris une surchemise qui tient extrêmement chaud. Donc là, pareil, par exemple, là, j'ai gardé mon petit haut noir à manches longues. On peut s'en servir comme veste aussi. Hein. Mais bon, quand il fait très froid dehors, là, comme on a eu, moi, je mets quand même un manteau au-dessus. Hein. Et du coup, au lieu de mettre un gros pull ou un t-shirt et un gilet, je mets mon petit maillot de corps, mon petit t-shirt fin à manches longues. J'arrive plus à parler. Et après voilà, on ferme comme on veut quoi. Donc voilà, ça peut faire veste, on peut sortir comme ça au printemps, je pense que je m'en resservirai comme veste, mais sinon voilà, c'est une surchemise. Ça peut faire robe aussi, après, enfin robe, c'est court. Hein. Moi, ma tenue, c'est que je mets ça avec un shirt, je mets ça avec une paire de collants, un shirt en cuir, et ce haut-là, donc chez Zara, et puis voilà, puis je mets ça au-dessus. Ensuite, pour parer le froid, je me suis pris ce manteau. J'ai eu un coup de cœur, donc bien sûr, fausse fourrure. Hein. Et je voulais un manteau avec de la fourrure. Et alors, les boutons, j'adore. Il est magnifique et franchement, il fait classe.
on sort comme ça, c'est sûr qu'on vous regarde dehors. Carols and bells, none of them help. I still feel blue. I just wanna fall. Oui, bonjour. Oui, je caresse mon chinchilla. Oui. Je m'y crois trop là, non mais. Ça fait tout de suite femme de la haute. Ah, j'aime beaucoup. Et puis les boutons, oh là là, ils sont magnifiques. Magnifiques de chez Magnifique. J'adore. Je pensais que j'avais moins que ça sur Zara, mais en fait, non, j'ai acheté beaucoup. J'avais carrément oublié les manteaux. Donc voilà, alors aussi, j'avais un trench noir et il me fallait un beige. Donc enfin, j'ai acheté le trench noir parce que j'en avais un, mais il était vieux. Donc j'ai acheté le nouveau trench noir que je vous ai montré juste avant avec la phosphorure et les très beaux boutons. Et j'en voulais un très long, un trench très très long beige. Je trouve que ça me donne un petit look Columbo, un petit look détective. Mais écoutez, il me tient bien chaud aussi. De toute façon, celui-là ou celui d'avant, ils sont en laine. Enfin, ils ne sont pas 100% laine, mais il y a quand même de la laine dedans. Ce qui fait qu'ils tiennent bien chaud. Et écoutez, celui-là aussi. Bon, là, je suis en chaussettes, donc les looks, ils sont pas top. Mais quand vous mettez une paire de bottines à talons, je vous jure que ça vous fait un look chic et classe, quoi. Franchement, magnifique. Ensuite, on continue avec ce que j'ai acheté chez Mango. Donc, je vous ai dit, je me suis refait ma petite collection de cols roulés parce que ceux que j'avais, donc c'était des Zara, mais en fait, ils n'étaient pas du tout en laine. Et donc, ils ne me tenaient pas si chaud que ça, en fait. Ils étaient assez fins. Donc, comme je vous ai dit avant, je mettais des débardeurs en dessous, mais rien n'y faisait. Et donc, je voulais vraiment me trouver des cols roulés, mais vraiment très bien chauds en laine. Et donc là, attends, je vais faire un petit zoom. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, ils sont vraiment en laine, quoi. Là, ne serait-ce que là, je l'ai mis pour l'essayer avec vous, avec la lampe. J'ai très chaud. Et moi qui suis une frileuse, hein, quand je les mets, bon là, j'ai mon débardeur en dessous. Là, je ne mets pas les manches longues en dessous de ça. Un débardeur, ça va, même sans rien. Parce qu'ils me tiennent chaud, mais un truc de fou. Je ne regrette absolument pas mon achat, parce que c'est exactement ce que je voulais. Donc, je les ai pris aussi en deux autres couleurs, je vais vous montrer. Par contre, j'y pense, du coup, tous les cols roulés que j'ai déjà et ceux que j'ai achetés, moi, j'ai décidé de faire quelque chose maintenant. C'est si j'achète, j'enlève de mon dressing. Parce que, bah, comme vous le voyez, c'est déjà plein ici. Hein. Enfin, là, c'est mon dressing ici, voilà. C'est déjà plein partout. Et j'ai pas assez de place. Donc déjà, pour la place, je ne veux pas en avoir trop. Et puis même, ça sert à rien que je reste avec 6 cols roulés que finalement je vais en mettre que 3. Là par exemple, mon ancien col roulé noir, oh, bah, je me suis cassé un ongle. Voilà, ça fait moche. Je vais enlever tout le reste parce que j'aime pas du tout quand il m'en manque un, c'est moche. Revenons à nos moutons. Donc je disais, là j'ai acheté un nouveau col roulé noir, donc l'ancien, je vais le vendre. Et ainsi de suite. Quand je rachète un vêtement qui ressemble à un autre, je le vends. Ensuite voilà, c'est exactement le même que le noir, mais je l'ai acheté en vert. Parce que j'ai voulu tenter quelque chose, à vrai dire. Parce que le vert, c'est une couleur que je n'ai jamais achetée, en pensant que ça n'allait pas aller avec mon teint. Et finalement, bon, comme je suis brune, ça va. Mais bon, je suis assez blanche hein, en temps normal, donc je me suis dit ça va pas suivre. Mais au final, je trouve qu'il me va très bien. Et donc, c'est exactement le même que le noir, en laine, comme ça. Il me tient extrêmement chaud. Je les adore et j'ai pas arrêté de les porter dans les temps où il faisait très froid. J'ai quelque chose dans l'œil là, c'est gênant. Oh là là, j'en peux plus. J'ai trop chaud avec ce truc. Mamma mia, qui fait chaud avec ça. Voilà mon troisième col roulé que j'ai acheté. Alors c'est pas tout à fait le même modèle que les deux d'avant, que le noir et le vert. Bon, celui-ci, comme vous voyez, il a des petits trous ici sur le côté. Bon, c'est pas gênant parce que il tient tellement chaud. Alors là, j'ai laissé mon débardeur noir en dessous, on le voit, donc c'est pas joli. Bien sûr, en temps normal, je mettrais un débardeur chair ou blanc. Et voilà, mais il me tient super chaud aussi, donc je suis vraiment très heureuse de mes achats. Vous voyez là, le col roulé, il est tout chaud, tout doux, tout chaud. J'adore. Ils sont parfaits. Bon, j'ai enlevé ma pince parce qu'elle me gênait à chaque fois que j'enfilais les cols roulés.
elles sont levées. Donc voilà, dernier achat chez Mango, une robe col roulé noir, simple, chic. Je voulais une robe à col roulé parce que pareil, quand on est à des soirées en hiver, bon, ne serait-ce que Noël, Nouvel An, même si je vous avoue qu'à Noël et Nouvel An, j'évite le noir. Moi, je suis plutôt paillette, couleur et tout ça. Ou alors noir, mais noir paillette, noir strass. Mais je me suis dit des fois, des soirées, pour faire un petit peu chic et s'il fait froid, au moins j'ai une robe à col roulé. Donc il n'y a pas de laine, je pense, dedans. Mais elle me tient bien chaud quand même. Bon, pas aussi chaud qu'avec de la laine, mais elle me tient bien chaud. Pour faire les choses bien, j'ai mis des talons quand même. Je me suis dit, allez là, fais l'effort Héloïse. Hop, donc voilà, donc il y a la petite feinte comme on aime. J'adore, avec une petite ceinture. J'adore. Elle est magnifique. Je vais vous montrer ça aussi. Alors c'est pas une commande en ligne, c'est un petit magasin que j'ai trouvé en Belgique à Mons, donc, mais je me rappelle plus du tout du nom. C'est une petite boutique privée, quoi, donc voilà. Mais c'est un petit poncho comme ça. Hop, voilà. J'aime bien, j'en voulais un comme ça. Donc pareil, en fait, j'en ai déjà un qui date, mais qui est pas du tout du même style que celui-là. Moi, pareil, je voulais avec une petite fourrure aussi. C'est ça que j'aime bien. Et donc l'autre aussi, il est beige, mais il est plus très joli, il ne me plaît pas, il n'est pas abîmé. Donc je vais le vendre sur Vinted et donc je le remplace avec celui-ci. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Il est très doux aussi. Finir mes achats Ocean's Apart, donc le premier ensemble que j'ai acheté. Donc voilà, donc sur le site, il était vendu ensemble. C'est un petit bandeau comme ça qui tient très bien. Franchement, il sert bien. J'ai pas une forte poitrine, alors tous les bandeaux, les hauts, les top bandeaux que j'achète comme ça, souvent, ils tombent, ils sont trop larges. Et j'aime beaucoup parce que c'est un pantalon fluide. Alors ça, je me suis dit, pour faire le yoga, le pilates, ce sera parfait, je veux un truc où je suis à l'aise. Et d'un côté, je me suis dit, ça peut aussi me servir comme tenue pour rester à la maison. Une tenue cool, décontractée. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je peux autant l'utiliser pour faire du sport, autant pour rester cocooning chez moi, à la maison. Et j'aime beaucoup le détail du pantalon comme ça, là. La ceinture, voilà, qui fait comme ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Oh, je suis trop bien dans ce pantalon. C'est un pyjama. Oh, je suis trop bien dedans. J'adore. Bon, là c'est un tout petit peu plus sexy, mais quand j'ai vu la couleur de cet ensemble rose, bon, je pense que vous vous douterez que j'aime bien le rose, j'en ai beaucoup dans mon dressing. J'adore, je suis une vraie fille, une vraie Barbie. Mon dieu, quand je me penche, j'avais pas vu. Enfin, soit. Donc voilà, j'ai craqué quand j'ai vu la couleur de cet ensemble. Je me suis dit, ouais, pour faire le sport chez moi, il va être trop bien. Et je vous avoue que je suis bien à l'aise. Par contre, il y a un truc qui fait que... Ah, bordelement. En fait, il est resserré au milieu ici. Donc on dirait que ça me fait un gros boule. Mais du sport, il sera nickel. Par contre, c'est assez sexy quand même. Hein. Voilà, j'ai terminé ma vidéo. Elle m'a donné chaud à force de faire tous ces essayages. J'ai des traces partout à force d'avoir remis, enlevé les vêtements. Enfin voilà, là je me suis mise à l'aise, donc j'ai remis mon petit pantalon jogging Ocean's Apart. Je suis trop bien dedans. Je pense que je vais faire une séance de pilates juste après, là, si j'ai la motivation. Si c'est une petite séance de yoga, ça va me faire du bien. En tout cas, ça m'a fait penser à quelque chose. Vu que je vais faire un tri dans mon dressing avec les nouveaux achats que j'ai achetés, les nouveaux vêtements, je vais les mettre dedans. Et ceux que j'enlève, ceux que je ne mets plus, je les enlève. Donc je vais faire un petit bac entre ceux que je vais vendre et ceux que je vais donner, car il y en a que je pourrais pas vendre car ils seront un petit peu abîmés ou trop vieux, et ceux que je vais vendre sur Vinted. Je pense que je ferai une prochaine vidéo sur ça, un petit tri dressing. Ça va pas être un gros tri dressing parce que j'ai pas acheté grand chose, hein. mais voilà, si ça vous plaît ce genre de vidéo, en tout cas je le ferai. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi quel article vous a plu le plus. Je vous embrasse tous. À la prochaine. Portez-vous bien. Bisous, bisous.